Qui êtes-vous? Edmond Rostand. Vous avez entendu parler, hein? Monsieur Tatelin! Quoi encore? Alors, votre pièce, comédie, tragédie? Tragédie. Comédie. Le titre? Cyrano de Bergerac. Un poète avec un grand nez. Un grand nez? La répétition commence demain matin. Demain? La pièce n'est pas écrite. Très juste, écrivez-la. Edmond, personne ne te connaît, tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce champagne. Moi aussi j'ai une bonne nouvelle, je suis amoureux fou. Jeanne, on s'embrasse. Faut la faire rêver, lui dire de belles choses. Qu'est-ce que je dis alors? Jeanne! Ah, c'est vous! Si mes mots sont hésitants. Si mes mots sont hésitants. C'est parce qu'il fait nuit. C'est parce qu'il fait nuit. Je ne vois pas le rapport. Je vais à ma pièce! Christian lui avoue qu'il ne sait pas s'y prendre avec les femmes, alors Cyrano lui propose de l'aider. Ça manque un peu de cul. De... Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche ? Je touche. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Edmond, tu as rencontré quelqu'un ? Oui, j'ai rencontré l'inspiration. Allons, messieurs, dames, au travail. Première dans une semaine. Ça, je n'ai jamais vu. Je sens quelque chose dans cette pièce. Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme. L'amour. L'amour. Embrassez-moi. Lequel? C'est... Je suis ridicule. Mais non, idiot, tu es superbe. 10 minutes avant le lever. Thank you.